Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Cooking Fever. Alors cette fois-ci j'ai pas oublié de mettre la musique du jeu, enfin le son du jeu, parce que la dernière fois j'ai oublié. Et du coup j'étais obligé de rajouter de la musique par derrière, c'était un peu énervant, tu vois, c'était chiant. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc du coup maintenant on va tout simplement essayer de débloquer cette fameuse boulangerie qu'on veut tant pour gagner encore plus d'argent. Donc 5000 pièces, il nous manque 4000 pièces environ, un peu moins, voilà, j'ai la flemme de compter. Et donc du coup on va se faire ça tout de suite, c'est parti. Oh, la salade. Ah ouais, c'est génial, dis donc, on va bien se faire chier, hein. Oh, de la salade, vous êtes sérieux, quoi. Oh, ça devient de plus en plus chaud patate, quoi. Mince, vite, vite, vite. Non, ça va cramer, ça va, merci. Oh, j'ai eu chaud, merci. Toi, tu veux ça? Ouais, y a pas de souci. Toi, tu veux... Ah, attendez 2 secondes. Je suis perdu. Attends, il faut faire cuire. Allez, viens ici, toi, je peux l'enfoirer. Hop, tiens, tu veux ton truc, merci. Toi aussi tu veux... Attends, déjà on va récupérer ça. Hop, tu veux ton truc, nickel. Tu veux ton burger avec du laitue? Mais toi t'es bien compliqué, toi, espèce de... Oh là là là, j'ai pas de mots pour te décrire, j'ai pas de mots. Ah ouais, t'es horrible, de toute façon. Assassinat, va, bah. Assassinat. Ouais, il s'est barré. Ouais, voilà, j'ai tout fait cramer. Ah là 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 là, je te jure, ce mec, hein. Oh, il mérite la prison. Non mais voilà, il va me faire couler. De toute façon, je vais finir à la rue à cause de ce mec, là. Ah, il y a des fois, je te jure, il y en a, ils sont pas respectueux, de toute façon. Ah ouais, non mais bon, ils sont exigeants, puis derrière, et ben, il y a des mecs qui meurent, voilà. Je gère. Là, par contre, ça risque de cramer. Et toi, tu veux un hamburger, toi? Tu veux la seule chose qui a cramé, toi? Tu veux pas un hot dog? Non! Tu veux bien le hamburger qui a cramé, bien entendu. Voilà, et toi aussi, tu veux l'hamburger qui a cramé? Toi aussi, tu veux un hamburger? Mais vous êtes vraiment des grands malades, hein. Vous avez décidé de me tuer, c'est ça? Hein? Vous voulez que je meure, c'est ça? Vous voulez que j'agonise? Ah là là là, je vous jure. Allez, salut. Bon, sinon, ça va dans ta vie, tout ça? T'es bien? Tu sais, on fait la parlotte et tout, comme ça, au moins il attendra un peu moins, tu vois. Ouais, t'inquiète, le steak il arrive, hein. Voilà, tranquille. Allez, salut, cool ta vie. Voilà, bon. Oh, on a fait 3 étoiles! Oh, on a fait les 3 étoiles! Oh là là là, on est des bons, hein. 329 et tout de gains, on a fait le 3 étoiles, on est vraiment des bons, c'est moi qui vous le dis. Allez, c'est parti, on va acheter 2 petits présentoirs, donc hop, au moins ça sera fini, hop là, présentoir là, je sais que c'est pas bien, parce que du coup on perd 1200 pièces, mais on va vite les récupérer, c'est moi qui vous le dis. Toi tu veux quoi? Toi tu veux un dog avec du ketchup? Boum, c'est fait, pas de soucis, moi je suis présent, toi tu veux de la boisson, toi aussi tu veux de la boisson, on va mettre ça de côté, boum, hop, ne crame pas s'il vous plaît, mais non, elle a cramé. Bon, c'est pas très grave, on va mettre ça à lui, voilà, boum, nickel. Ouais, ça fait plaisir, c'est la maison qui offre. Boum, nickel, hop là. Non, là, franchement, on se fait plaisir. Ah oui, mince, faut récupérer l'argent. Parce que si on récupère pas l'argent, bah, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense quand même qu'on va faire cuire les steaks et les saucisses, ça me paraîtrait une bonne idée. C'est pas très grave, après je dis ça comme ça. Vous êtes chaud patate aujourd'hui, hein. Vite, on met ça. Ah, mais non, c'est cramé alors que j'avais dans les mains, quoi. Le truc, il se crame dans les mains, quoi. J'ai tellement les mains chaudes que ça crame, quoi. Je suis tellement rapide et tout que j'ai les mains chaudes, du coup ça fait cramer ma truc là. Bon, vous savez quoi les gars, notre but c'est d'atteindre 5000, donc on va atteindre 5000, c'est moi qui vous le dis.
Après tant de travail intensif, nous avons enfin récupéré nos 5000 pièces pour acheter cette fameuse boulangerie. Est-ce que ça va valoir le coup? Est-ce que ça va pas valoir le coup? On ne sait pas du tout. Qu'est-ce que ça donne? Alors, il y a 40 niveaux en tout, ça c'est déjà sûr. Ouais. Cuisine et amélioration intérieure. D'accord, donc c'est comme l'autre. Mais, ah, gâteau brûlé. D'accord, parce qu'on peut brûler les gâteaux. C'est génial. Bon, on va tester au moins le premier niveau. Et je pense qu'on va se terminer là-dessus, ça sera déjà bien. Ok, d'accord. Pointer la base de gâteau, ouais. Non. Ouais, le gâteau maintenant. Non. J'espère que c'est pas trop long non plus. On met ça là. Oh, bah on met... Le gâteau cuit. Non. Oh, ah ouais, directement à la personne, qu'on peut pas y remettre là. Pointer ici pour un mid-check. Ah, oh, bah il est bizarre ton mid-check. Hein. Je sais pas ce que t'as mis dedans, mais... Attends, hop. Voilà. Je sais pas ce que t'as mis dans ton mid-check, mais... ouais, ok. Oui, on prépare, voilà. Et on enfourne. Ouais, youpi. Votre gâteau est prêt, mais il n'y a toujours pas de client. Place-le, présente-toi. Ah, ok, d'accord, on peut le placer. Ah, bah on peut le placer ici, voilà, j'avais raison. Ah, je te jure, hein. C'est délicieux, hein. Tiens, bah voilà, tu vois, elle, là-bas, elle a tout compris. Elle veut un café, boum, nickel. Hop là, on fait ça et on met en fourne. Putain, et toi, tu peux pas vouloir juste un café? Non, vas-y, faut qu'en plus tu veuilles un bon petit gâteau. Oh là 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 là. Bon, ton café, il est lent, là. Allez, le café. Putain, le gâteau, il va être cuit avant le café, quoi. Oh, mais c'est hallucinant, ça. Hein. Allez, tiens, boum, prends ça. Hop là, nickel. Mid-check, mid-check. Wow, wow, wow. Hein? Ah, attends. T'as pas autre chose à prendre, là, prends du café. Non, finalement, c'est pas une bonne idée. Prends du mid-check, c'est bien le mid-check. Ouais, c'est très, très bien le mid-check. Voilà, nickel. Boum, le mid-check pour toi, c'est fait. Voilà. Bon, mais jusque-là, on est bien, là. Bah ouais, on est très bien. Si on peut avoir les 3 étoiles, pourquoi pas. Tu veux quoi, toi? Ah, tu veux les 3, toi. Tu veux. T'es la compète, toi, hein. T'es. Tu fais de la compète là, direct, boum, hop là, tu veux tout quoi. Viens d'ouvrir ces portes, voyons ce qu'on peut y gagner. Ah, d'accord. Ah ouais, tu mets des pièces et Bah allez, on met le jackpot, hein. On met le jackpot, mon petit. 500 pièces, qu'est-ce que ça nous donne? 1000 pièces Mais on est des bons? On est des bons? Oh là là, on est des bons? Non, c'est moi qui vous le dis. Bon allez, on met 500 pièces, voir ce que ça donne. Est-ce qu'on gagne 1000 pièces? Sinon, au pire, on n'aura pas perdu de mise, hein. Ah non, c'est dégueulasse. Vas-y, je rush quitte, allez, salut. Non mais c'est bon, on m'a saoulé quoi. Bon, enfin bon, donc la prochaine fois on essaiera de finir ce niveau à 100%. Donc en fait on essaiera d'avoir toutes les étoiles en fait. Les 3 étoiles, on essaiera d'avoir toutes les étoiles. Voilà, donc on essaiera d'avoir tout ça là en fait, hein, voilà. On essaiera de finir tous les niveaux à 3 étoiles. Ça pourrait être pas mal, enfin au fil du temps, hein, pas en une seule vidéo. Mais voilà, on fera comme ça, petit à petit on fera 3 étoiles de partout. Ça sera plutôt pas mal. Donc voilà, on achètera tout ce qu'il y a, on fera des 3 étoiles de partout, enfin on fera les fous quoi, petit à petit. Oh, niveau 28 quoi, ouais, c'est dans un petit moment quoi. T'es dans le bateau et tout. Enfin bon, donc du coup, moi je vais vous laisser sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.